Bonjour à la VOD, nous attaquons notre deuxième défi qui s'appelle Cambrioleur. Infiltrez-vous dans le manoir pour dérober 6 œufs mécaniques et autant d'objets de valeur que possible, comme des objets de famille, des tableaux et des pièces. Alors, train d'enfer, non. Meurtre en cascade, non. Trouvez toutes les figurines spéciales dans Cambrioleur. Donc on va faire celui-là dans la foulée. Trouvez toutes les figurines spéciales. Et bien c'est parti. Alors, dérobez les 6 œufs mécaniques, puis quittez le manoir. Introduisez-vous dans le manoir, récupérez les œufs et tous les objets de valeur que vous prendrez. Vous ne devez pas vous faire repérer, personne ne doit savoir que vous êtes là. Éviter les gardes rapporte plus de points que de les neutraliser, donc ça c'était comme dans l'autre. Ce qui vous vaudra en retour plus de points que de les tuer. Plus vous prendrez de butin, plus vous marquerez de points. Spécial, le manoir regorge de secrets. Le défi se termine si vous mourrez ou si vous vous faites repérer 3 fois. Oh là là. Et donc il me faut les 6 statuettes spéciales aussi. Et il me faut aussi la poupée. La poupée d'Emily. D'accord, donc ça c'est les œufs. On veut les espèces d'œufs de Fabergé, d'accord. Ok, ok. Alors, j'ai ça. Déjà, il va falloir s'introduire dans le manoir. Je sais même pas si je peux trouver des petits cadeaux à l'extérieur ou pas. Je sais pas s'il y a un bonus temps. Ah oui, mais là, je suis complètement repérée, là. La vache! La vache, ils ont une vue! Ok. Ok. Ça passe. Ça passe. D'accord, donc visiblement ça commence à l'intérieur du manoir. Là je suis à l'intérieur du manoir. Donc, OMG. Zébardi. Alors, à moi. Bonus de fufu. Pourquoi bonus de fufu? Parce que j'ai réussi à rentrer? Oh là là. Je suis coincé un chihuahua sur mon bidon. Ah. Oups là. Belle idée de con que je viens de faire. Hein. Ouh, belle idée de con que je viens d'avoir. Ok. Ça va être compliqué déjà de voir comment est foutu le truc. Bonus de fufu. Mais par rapport à quoi? Bon ça va, ça me dépayse pas trop ça, je vous avoue. Par rapport au DLC d'avant. Ok. Par rapport au fait que t'as réussi à piquer un truc sans te faire voir. Ouais, aussi, ouais. Bonus de fufu. Sous. Bon, les pièces annexes, ça me pose pas de problème. Je pense que ça va être les pièces principales. Ça peut être compliqué. Faut que... Hop. À moi. Ça fait 2. Pièce. Jusque là, ça va. J'ai trouvé une tourte aux abricots. Ha ha ha. Qu'est-ce que c'est que ça? Trop bizarre. Mais après, c'est un truc de l'outsider, ça. Donc, quelque part, ça se tient. Ok. On va parier qu'il va pas se retourner.
C'est peut-être pas un bon pari. Ah, il m'a vu. Merde. Et maintenant. De te repérer. Vous avez deux essais, oui, mais s'il commence à m'attaquer, je suis emmerdé. Ça rappelle Assassin's Creed. Et le jeu finit avec le mode vision de l'aigle tout du long. Je relate tellement. Je relate tellement parce que je me souviens d'un Assassin's Creed 2, un avec Ezio, je sais plus lequel, où je me suis baladée en Toscane pendant littéralement des heures à la recherche d'une putain de statuette de ses morts avec cette vision. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais les yeux qui brûlaient. J'ai perdu 2 dixièmes à chaque œil avec ces conneries. Du coup, je connais ça. Je relate. Ok. Mais j'aime bien prendre des bonus de furtivité gratos, en fait. À moi, la tourte aux abricots. J'ai trouvé un œuf. Cool. Là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'options pour escalader les trucs, mais... Il n'est pas dans la même pièce, hein. Aboard! Aboard! Tomb Raider, c'est la même. Ah ouais, ça fait chier. Faut juste pas qu'il se retourne, lui. Faut pas qu'il se retourne, puis tout se passera bien. Hop là, à moi. Putain, y'en a un là. Oui ? Non, ça va. Des fois, en fait, il tourne la tête dans la direction opposée de moi, mais comme je vois ses yeux bien ronds, j'ai un peu l'impression qu'il m'a vu. Alors, dans quelle direction il va, lui? Il va monter l'escalier. Non, il va pas monter l'escalier. Après, je pourrais les assommer, mais... à mon avis... Bon, faut qu'il y en ait un des deux qui se déplace, là. Enfin, faut que lui, il bouge. Ou que lui s'en aille, ouais. Ok. Ok. Mais lui, ce serait bien qu'il bouge quand même un jour. Merci. Oh, il fume en cachette, le salaud. Ah, c'est de l'autre côté. Ok. Sous. Alors. Hop. Ni vu ni connu. Ah merde, s'il y a celle de l'autre côté. On fait quoi? On prend le pari que l'autre il se retourne pas ou pas? Allez. On va faire comme si. J'ai dit mettons. C'est haletant, hein? Oh, petite pièce que j'ai pas vue là. Petite pièce que j'ai loupée. Oups. Alors attends, il est où l'escalier? Merde. Bon, il m'a vu, mais il m'a pas repéré non plus. Il a pas bien eu le temps de tilter. Ok. Oula. Oulala. Oulalala. Ouais, alors. C'est long, merde. Ça passe. Hop. Ça passe, mais on va quand même y aller mollo, hein. Je connais pas encore bien les routes. Je sais pas encore bien ce qu'il va faire pour une route, lui. Oh putain. Ça fait chier. Hop. Est-ce que ça craint. Ah!
Ah non, ça va, le coffre n'a pas de code, tout va bien. J'ai cru qu'il fallait en plus que j'aille chercher le code. Ouh là, il vient par ici, lui. Ouh là, lui aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On va dire que non, hein. Là, c'est vraiment la Colette qui va et qui dit « Bon, allez. Oublie que t'as aucune chance et fonce. On sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. » Comment j'y vais, là? Oh là là. Il va faire demi-tour et ça va être triste. À moi. Hop. Y'a personne là pour l'instant. Ça va. Respirez sur le chat. Je sens que vous êtes un peu tendu. Ouh là là. Ne me dis pas qu'il vient par ici parce que sinon c'est la twill. Après, je peux toujours les assommer. Hein. Si vraiment je vois que c'est très très risqué et que voilà. Alors on intra quand même. Les mecs, vraiment pas stressés. Il y a littéralement le coffre qui est ouvert, quoi. Alors. Attends. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Ok. Bon, là, ils sont un petit peu inquiétés. Ils savent un peu qu'il y a quelqu'un. Mais ils me cherchent pas particulièrement. Donc ça va. C'est bien, hein. Putain, il y avait des trucs là que j'ai pas vu. Je suis passé devant. Bon, ça va. J'ai fait un tiers des butins à peu près. Là, je suis à 15 000 environ. Lui, ce serait bien qu'il regarde ailleurs. Ok. Ok, ok. Faudrait que j'arrive à passer derrière lui. Et là, faudrait que lui, il change de place. Bon, visiblement, il n'y a que eux deux à cet étage, hein, donc... je pense que quelque part... Faut juste que je vois lequel des deux va se déplacer en premier. Moi, je parierais plus sur lui. Donc, ça va être l'autre. Ok. Bon, décidez-vous, les copains. S'il vous plaît. Ok. Le truc, c'est que lui, à tous les coups, il va lui prendre... Voilà, il va lui prendre l'envie de se déplacer en même temps que l'autre. Quand je vais me dire, ok, c'est bon, la voie est libre, lui, il me regarde pas. Et évidemment qu'à ce moment-là, lui, il va me regarder. Bien entendu. Ah, faut pas que j'oublie qu'il y en a un qui était dehors, d'ailleurs. Remède spirituel, merci pour ça. De l'argent... J'ai pas mal de points là déjà, hein. Je suis contente. Je suis assez fière de moi. C'est quoi ça? Livre secret? Cachette secrète? Oh! Ok, bizarre. Bizarre le mec, bizarre. Ok. Ah tiens, je peux passer par l'extérieur. Ça a un intérêt de faire ça? Non, hein. C'était peut-être pour rentrer. Je pouvais peut-être rentrer par ici. Ok. Donc là, quoi qu'il arrive, je suis quand même obligée de venir là. Putain, lui, il est là. Oh, la merde. Oh, c'est trop la merde. Oh, c'est trop la merde. Oh là là. Oh là là. A board. Ah non, ça va, il s'est retourné. Ok. Je vais aller dans l'escalier. Prends les pièces. Ah, vu. Je te fais repérer deux fois. Dommage. Non, mais là, c'est mort. Dommage. Ah oui, purée, il y a la collection des tableaux aussi, t'as raison, j'avais déjà oublié ça. Non, c'est les figurines spéciales, il faut trouver les 6 figurines spéciales. Et la poupée. Pff,
Après, si la poupée est indiquée en vert, j'ose espérer que les statues aussi. Ah, quelle histoire, je vous jure, vraiment. Léna, salut à toi. Et merci pour ton follow. Bienvenue pour le défi des enfers. C'est un peu le défi des enfers, je vous avoue, là. C'est un peu la loumerde. C'est un peu loumerde. À moi. Donc là, l'idée, c'est de choper... En fait, je sais même pas si j'ai besoin de choper 100% de l'or. Hein. À mon avis, non. Mais... Je dois choper tout plein d'argent. Ah. Tourte. Ok. Je prends ça. Deux. Je prends ça, ça valait des sous, ça. Ouh, une petite pièce. Ça, tu sens vraiment que c'est le niveau de type la petite pièce, quoi. La petite pièce qui va te mettre dedans parce que tu vas te dire « Non, mais là, il y a une petite pièce, je la ramasse. » Je sais pas s'il y a des points stricts ou pas. Faut que je fasse gaffe parce que si lui, il lui décide, il lui prend l'envie de venir par là, c'est foutu. Soit il fait demi-tour, soit il vient par là. Ce serait bien qu'il se décide. Mais il fait chier, voilà. Voilà ce que j'en dis. Ok. Je vais essayer de faire efficacement cet étage. Hop. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, il est parti. J'ai bien fait de parier là-dessus. Il est effectivement parti par là. Alors attends. Chier. Ça, il m'a pas vu. Il m'a pas totalement vu. À moi les sous. Merci pour ça. Ok. Faut que je fasse gaffe, parce que lui, il va peut-être m'enquiquiner si je veux monter l'étagère. L'étagère, enfin si je veux monter à l'étage, si je veux prendre l'escalier. Rien à voir avec étagère. Ok, à cet étage-là, j'ai pratiquement tout trouvé. Après, je sais plus si ça se termine quand j'ai ramassé les 6 œufs. J'ai pas fait gaffe, ce qu'il me disait. Si c'est à la fin des 6 œufs, c'est pas grave. S'il faut ressortir, c'est pas forcément grave, mais ça peut être galère. Ok, lui il est reparti. Je suis toujours accroupie, tout va bien. Alors, hop, tout ça c'est pour moi. Et cet étage est plutôt bien nettoyé, parfait. Alors lui, il part dans cette direction, donc je vais prendre le risque et aller là. Et je crois que personne ne rentre dans ce bâtiment, enfin dans cet endroit. Donc, is ok. Zoop, ça je veux. Ça, je veux aussi. À moi. Merde, j'ai ramassé le tableau en bas, je me rappelle plus. J'ai peut-être pas pris le tableau. Bon, c'est pas très grave. Mais je crois que j'ai oublié. Dommage. Ah, mais c'est peut-être pareil que l'autre. C'est un peu généré aléatoirement. Là, il n'y a pas beaucoup d'options d'évasion par les toits, par les étages, par tout ça. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît? Bon, j'ai trois trucs bleus, donc ça, c'est cool. Œuf de Yarrow. Œuf de Window. Ouais. Mon chouchou, va voir ailleurs, s'il te plaît. Voilà, je viens ici, mais je suis pas très inspiré. Hein. Ok. Là, le truc qui fait chier, c'est comment je fais pour récupérer ce truc. Oh là là. Il s'est retourné, et lui, il bouge pas. Il vient par ici. Hop. On va passer comme ça. Ça va être compliqué de choper le truc sans faire de bruit. Parce que je suis obligée de casser la vitre. Je pensais qu'il fallait prendre les tableaux du passage secret. Peut-être, mais je pense qu'il se serait allumé en vert si c'était le cas. Mais t'as peut-être raison. Ah mais il a fait demi-tour direct. Oh le salaud.
Ils y mettent pas du leur hein, non plus. Bon, ça va, il est pas dans la même pièce, donc is ok. Ah, c'est ça, il y a des tableaux, mais... On va voir si c'est Daude, aussi. Ah non, c'est le régent foiré. Bon, lui, so far, so good, il fume. Hop, à moi. À moi, l'argenterie. Vas-y, je prends le risque. Ouh. Ok, c'est passé. C'est passé, mais c'était pas loin. Alors, est-ce qu'il reste de l'argenterie? Est-ce qu'il reste des petites pièces, des cuillères en argent, quelque chose? Héritage de la grand-mère. Les vieilles tapisseries. Moi, je prends tout, moi. Bon, on a fait à peu près la moitié, un peu moins. Un peu moins que la moitié. Oh, avec ça, on va monter à la moitié, là, à peu près. Tac, tac, tac. Ouh, les petites pièces. Ok. Ça va? Vous êtes pas trop stressé sur le chat? Ça vous inquiète pas trop trop? Alors, faire hop, hop, et hop. Merde, il m'a vu. Ah, ça, c'est dommage. Ça va, parce que s'ils me perdent de vue, ils ok. Putain, mais... Mais pourquoi ça fait sauter mon truc? Ok, j'ai eu droit à un bonus de furtivité, visiblement. Attention, il est à son comble. Ouais. Outsider, marche parmi nous. Attendez, quoi? Quoi? Ok. Ok. C'était inattendu. Ok, ok, ok. Allez, on va essayer de rester concentré. Là, c'est la fin. Il m'en reste deux à ramasser. Il y en a un là. Un petit mindfuck, ouais. Je trouvais ça un peu décevant quand je suis rentrée. Je me suis dit, attends, pourquoi il y a du texte de l'outsider et il n'y a rien à côté? Du coup, j'ai pas été déçue, finalement. Ne descends pas l'escalier, je t'en conjure. Je vais attendre de voir comment ils bougent, tous les deux. Bon, lui, il a l'air de tourner. Lui, il a l'air de rien faire de particulier. Ok, lui, il est reparti. Super. Oh. C'est pas tourné dans le sens qui m'arrange. Là, il y a quelques pièces ici, mais... Hein. Mais je me doutais que l'œuf en bas, il allait m'emmerder. Attention, quelqu'un se cache dans le coin. Qui c'est? Bon, lui, il a pas l'air de beaucoup bouger, hein. Bon, visiblement, à cet étage, je suis quand même tranquille, donc he's ok. J'ai pas vu à combien de points j'en suis, à peu près. Mais bon, vu que Kayosh a fait plus de 40 000, je pense qu'on est un peu large. Enfin, à supposer qu'on se fasse pas voir, quoi. Ok, lui, il a l'air d'examiner ça pendant un petit moment. Il y en a un autre ici. Ah, ah, j'aime bien ça. Je vais enfin pouvoir commencer à me mettre un peu en hauteur. Enfin, en espérant qu'il me voit pas, quoi. Toujours un peu le même problème. C'est toujours en supposant que... Lui, il a rien dans ses poches, donc il m'intéresse pas, le gars. La tourte, ça m'intéresse pas. Hop. Oh. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu, mais alors, mais je sais même pas dans quel monde il m'a pas vu. Oh, mon Dieu. Pas vu.
Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Ok. Ok. Et le problème, c'est que là, je vais à des endroits, je sais même pas ce que c'est. J'ai trouvé la statuette. Merde, j'en ai combien? J'en ai trouvé deux, je crois. Ouais. Bon, visiblement, c'est le dernier étage où je suis. C'est le vrai aveugle man. Non, il m'a quand même... Il a quand même vu quelque chose à un moment donné. Ah ouais, mais là, c'est le dernier œuf. Si je le prends, c'est fini, non? Si je le prends, c'est fini. Ouais, statuette, c'est ça. Je joue à Nullbuck, exactement. Là, je cherche les statuettes. Après, faut que j'aille chercher le jambon. Et après, soit je fais les hospices de la ville et j'essaye de trouver un gnome unijambiste, sinon je prends un autre gnome que je rends unijambiste, que j'unijambise. Oula. Oula là. Attends. Je le risque, hein, mais... Je le risque, mais... Ah, par là, ouais. Mais je sais pas s'il fait un tour ou bien... Je sais pas. Ça va, ça va. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Regardez, on est à 3371 sur 3500. Oui, effectivement, c'est ça. Si le gnome des forêts du Nord n'est pas une unijambiste, ça ne saurait tarder, quoi. Hop. Je sais pas si j'ai toutes les statuettes ou pas. C'est ça qui m'inquiète. Ok, 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 ok. Il me manque une centaine de pièces, mais à vue de nez, je dirais que j'ai toutes les... C'est quoi ça? J'ai vu un truc dans ma vision périphérique. J'ai vu un truc vert. Bon, on verra bien. Il va où, lui? Il va où, comme ça, là? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah non, ça va. Ah, mais il y a l'autre. Il est à quel endroit lui? Putain, il est dans la pièce, il fait chier! Ah, il s'est retourné, ok, cool. Donc c'est parti. On y va, on prend ça. Retournez au point de départ. Ok. That's what you do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. Il y a un endroit où je pouvais passer par la fenêtre, mais après, peut-être derrière lui, là. Lui, il est reparti. Lui, il revient. Bon, il me manque 100 balles, mais ça va. Avec le bonus de fin de mission, ça va, non? Ça passe. Alors. Ah, il y a quelqu'un. Putain, il revient. Ouais, alors. Eh bien, on se dit que tant pis pour la vie. Ok. Oula, 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 là, là, là. Oula, là, 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 là. Oula, là, là. Faut juste pas qu'il se retourne trop vite. Ok, super. Put me down on the table, put me down on the table. J'ai passé les 30 000, donc ils ok. Ouh. Défi est maintenant disponible. J'ai trouvé la poupée. Par contre, je crois que j'ai pas trouvé toutes les statuettes. Ennemi mort 0. On trouvait le joueur 4.
se sont retournés vers le joueur, ont suivi le joueur du regard 4. Ok. Mais du coup, vous avez trouvé toutes les figurines spéciales, donc du coup, non. Bon, bah, on y retourne. On y retourne, on veut les figurines spéciales, nous. On n'a pas fait tout ça pour... hein. Bon. Après, là, je peux les assommer, en soi. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire, je m'embêterai moins. Merde. Je vais assommer tout le monde. Je vais assommer tout le monde, comme ça je serai tranquille pour chercher les petites statues. Là-bas, il y aura une grande allée avec plein de statues. On appellera la grande allée avec plein de statues. Bon là c'est rigolo, mais le problème c'est que je crois que c'est le dernier défi de type fufu. Et je crois qu'après les autres défis c'est de type assassinat et compagnie, donc... Ça me rassure moyen. Ok. Mais ouais, si j'assomme tout le monde, normalement, je devrais être un peu plus tranquille. Hop là. Toi, tu vas rester là. Combien j'en ai? Des carreaux. Anesthésiant, pas de, des carreaux normaux. Alors, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Je sais pas pourquoi je les re-ramasse, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais moi je veux toutes les statues. J'en ai loupé une tout à l'heure. Ce qui m'étonne, c'est que je... il me semblait avoir quand même vraiment fait le tour. Et je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Alors. Fais de dos. Que je puisse chercher tranquille. Merci, chouchou. Ah, j'ai quand même un bonus de furtivité. Je sais pas bien pourquoi, mais ok. Où est-ce qu'elle pouvait être, cette statue? En vrai, la mission 1, le défi 1, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si d'autres personnes sur le chat s'y sont essayées aussi, à ces défis. Autre que Kayoche, bien sûr. Nope. Je sais pas si ça vous intéresserait de les faire, ou si vous vous dites que de toute manière vous aurez pas la patience. Bon, ceux de l'extérieur on les fera après. Alors, il faut que je compte les statuettes, vu qu'il y en a 6. Je saurai à peu près où j'en suis, même si je me doute que quand j'aurai les 6, ça va être comme avec l'autre. Ça va se débloquer immédiatement, et pas à la fin de la mission. Bon. Déjà, je crois que j'ai ratissé efficacement cet étage. S'il y a besoin, on re-ratissera. C'est pas très très grave. T'as pas le jeu, donc non. D'accord, c'est une bonne raison. C'est une très bonne raison. De toute manière, faudrait que je fasse peut-être un jour comme finir les 500 jeux que je stocke. Et moi je vous le disais, mais un des trucs où je me fais vraiment plaisir en ce moment, c'est je regarde ce que j'ai comme jeu déjà dans ma bibliothèque. Et je joue à ces jeux-là, mais souvent parce que je regarde l'affiche et je me dis tiens, ça a l'air sympa. Et effectivement, j'ai découvert plein de jeux sympas dont j'avais jamais entendu parler avant, que je connaissais absolument pas du coup. Alors.
Pour l'instant, je suis toujours à 0. Hein. Là, ça fait 1. Je me fasse lui. S'il lui prend pas l'envie de, d'arrêter avec sa clope, ça va. Donc j'ai une statuette. Non mais ça, ça m'intéresse pas par contre. Hop. Une statuette. Hop. Hop. En fait, je ratisse aussi, je ramasse tout pour me dire je suis déjà passé par là, donc c'est bon, quoi. C'est réglé, ça, on revient pas dessus. On revient pas ici. Je savais bien que j'avais vu des pièces. Ok. Ok. Ah oui, il me reste, ça, c'est dans la petite pièce. Là, ici. Ok, 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 ok. Hop là. Ça fait bonk. Merci. Alors, il y a encore un truc là que j'ai pas ramassé. Ah, mais c'était une tourte, non? Je vais quand même la ramasser. Histoire de dire que vraiment, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tourte! À une seule statue pour l'instant, hein? Ok. Alors, le portrait de Jessamine Caldwin. La plus belle. Tiens, celui-là, on va se le regarder. Mais c'est quoi ça? C'est dans ma tête. Autant pour moi. Je pense que ça se déclenche quand j'ai cette... Quand j'attrape ça. Moi je pense que c'est ça, c'est quand tu ramasses la pièce que ça se déclenche. Ah. Quelques pièces. Menu monnaie. Mais il manque quand même vraiment beaucoup, 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 beaucoup de... De statuettes, hein. Ça m'étonne. Fidoudou. Voilà mon petit frère. Ah oui, Epic Games a offert beaucoup de jeux. Effectivement. Et honnêtement, je crois qu'Epic Games, j'ai fait un seul jeu chez eux. Et c'est un jeu que j'avais acheté. Je veux boire dans une baignoire. Si je veux, je bois dans la baignoire, d'abord. Pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Attendez, mais j'en suis là loin par contre. Excusez-moi, hein, mais les 6 statuettes spéciales là, c'est quoi cette histoire? Je suis loin d'avoir les 6, hein. Ou alors selon les endroits où ça apparaît, c'est pas les mêmes. Il faut que je refasse plusieurs fois le truc jusqu'à avoir vu au moins une fois toutes les trucs. Attends. Ah là. Hop. Hop. Truc que j'ai pas bien compris là. Ou alors il y en a 3 dans ce niveau et 3 dans le niveau expert ?
C'est quoi cette histoire? Une dans chaque chapitre? Non, non, parce que c'est bien... Trouver toutes les figurines spéciales du défi... Ah, cambrioleur en expert. Autant pour moi, j'avais pas lu. Oh la boulette. Oh la boulette. Eh ben, c'est tant pis. J'ai pas écouté. C'est ma faute, j'écoutais pas. Ah, il y avait encore des trucs à ramasser ici, ok. Hop. Hop. Oups. C'est pas exactement ça que je voulais faire, mais ça marche. Ok. Eh bien, soit. Donc du coup, là, j'ai dû mettre moins de points, oui, forcément. J'ai pas fait les 30 000, mais d'accord. Du coup, c'est bien en expert qu'il faudra trouver les 6 statuettes. Et ma foi, nous ferons ça une prochaine fois.